Bonjour, Bernard Azzano, coach sportif de la police municipale à Dijon. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les directs, les gestes de boxe, mais avec un élastique, donc avec une résistance. Donc c'est très simple, vous connaissez maintenant les directs, crochets, uppercut, d'accord, toujours l'écartement nécessaire pour éviter de tomber en déséquilibre. Direct du bras avant, direct du bras arrière. Donc là, vous avez bien compris. D'accord? Crochet, crochet. Uppercut, bien rentrer le coude à l'intérieur pour pouvoir remonter. Voilà, comme ceci. Nous avons différents uppercuts, c'est-à-dire que vous avez la possibilité aussi de travailler au corps. C'est-à-dire que travailler au corps, c'est comme ça et comme ça. Voilà, on va désaxer sur l'action de son adversaire. On va désaxer, on va se mettre en protection, on descend le buste sur le côté, toujours en protection, et là on va rentrer à l'intérieur du corps de l'adversaire. Ici, pareil, d'accord? Voilà, comme ceci. Là maintenant, on va travailler, donc, comme je vous ai expliqué, on va travailler avec des élastiques, donc travailler avec de la résistance. Donc j'ai installé des élastiques faits pour... après une porte, voilà, pour la résistance. Donc je tends suivant la résistance que j'ai envie d'avoir. Et là, je vais travailler en direct. Direct, donc je reprends la position initiale. Jambe gauche en avant pour les droitiers, jambe droite en avant pour les gauchers. Donc on va travailler direct et on revient. Direct, comme ceci. Voilà. D'accord, position des jambes, direct, direct. On rentre bien le menton, direct du bras avant, direct du bras arrière. Bras avant, bras arrière. Donc là, on va pouvoir travailler. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, si vous travaillez sur la résistance, vous allez insister. Voilà. Vous allez voir, au début, ça va tout seul, mais à force, ouais, ça y est, ça commence à durcir. Vous tournez toujours les poings, à chaque fois, toujours peut-être des métacarpes. Voilà, vous pouvez relâcher et travailler sans élastique pour décongestionner les muscles. Alors ça, c'était pour les travails en direct. Sur des crochets, vous pouvez également travailler. Là, je prends les deux. Et là, on va travailler toujours en garde. Et là, on va travailler comme ceci. Voilà, je reprends. Voilà. Oui. Crochet. Crochet. Toujours passer devant le visage. Crochet. Si on veut travailler encore au corps, on descend. Et voilà. On peut travailler en bas, au-dessus, voilà. Toujours avec le crochet, toujours redescendre le coude au corps, comme ceci. Voilà. Là, travail de musculation spécifique. D'accord, on peut changer de bras. Pareil, toujours en garde. Jambe gauche toujours en avant, position du boxeur, on va travailler crochet, crochet. Ok, et là maintenant on va travailler les uppercuts. Pareil, on est en garde, on va travailler uppercut. Voilà, on essaie de passer l'élastique sous l'aisselle, comme ceci. Voilà, là on va travailler uppercut. D'accord, on change de bras. Pareil. Voilà. On va travailler uppercut. Voilà. Donc c'est un travail avec élastique pour travailler cette résistance. Bon entraînement.